Bien, Emmanuel Allard, on peut dire qu'Alizéa Ducastel redescend un peu de catégorie dans ce quintet. Bah oui, effectivement, oui. On verra bien, elle n'est pas à 100%, elle nous a embêtés avec un petit abcès et une petite sème. Elle a toujours des petits soucis. Comment est-elle maintenant ? Ça a l'air d'aller, elle était bien souple encore ce matin à l'exercice. C'est un engagement intéressant pour elle. Bah exactement, j'espère qu'elle va pouvoir profiter de cet engagement pour s'immiscer à l'arrivée et se réhabiliter. La distance va lui convenir ? Ouais, c'est pas un souci. Les derniers coups qu'elle a couru à elle est partie au galop. J'espère qu'elle sera sage. Après, normalement, elle devrait être capable d'accrocher une place, j'espère. C'est un engagement que vous aviez visé pour elle ou pas ? Ah non, du tout, non. Je pensais qu'on aurait passé les gains. Ça s'est mal passé cet hiver. On a vu un vieil abcès dans un pied. Peut-être que c'est la cause de ses départs au galop. Parce que normalement, c'est une jument très brave, très sûre. Bah là, du coup, j'espère que même à 90% ou 80% de ses possibilités, elle est capable de bien faire. On peut penser qu'elle est en retard de gain. Oui, vu ce qu'elle a affronté et ce qu'elle a battu, elle devrait être bien au-dessus de ça, mais bon. Chance normale, quoi. Donc. Voilà, oui, c'est ça. Il y a des chevaux qui trottent. Un brogol des beaux, c'est quand même bon. Il y a pas... La mienne, elle trotte, mais il faut qu'elle remonte sa pleine mesure pour espérer gagner. Et on verra dimanche, quoi.